wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Please stop! I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How'd you find us? You can't stop this. I want what you want. But not at any cost. We could have killed you. Maybe you should have. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de The Last of Us 2 sur PlayStation 4. Édité et développé par Sony et Naughty Dog, sorti officiel le 19 juin 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Excellente note sur Game Rankings de 19,5 sur 20. Pour vous proposer ce gameplay découverte, j'ai été confronté à un problème majeur. Comment ne pas vous spoiler? Parce qu'on est d'accord, The Last of Us, c'est une licence qui a donné ses lettres de noblesse à la PlayStation 3 en 2013 et a perduré avec son Remaster Edition sur PlayStation 4. Je me suis donc fixé un objectif, celui de terminer le jeu afin de choisir avec minutie les phases de gameplay qui auront pour but premier de vous plonger et de vous faire apprécier l'ambiance qui règne dans le jeu. Dans ce test découverte, je vous proposerai donc trois phases mélangeant gameplay et cinématique et je cutterai les scènes qui montreront des moments ou des dialogues vous permettant d'en savoir davantage sur la trame scénaristique du jeu. Ne vous en faites donc pas, hein. C'est si à un moment ou un autre il y a une image qui saute pour passer à une autre scène, c'est complètement voulu. Vous l'aurez compris, je ne vous parlerai donc que très peu durant ce gameplay découverte, c'est pour cela que je me suis permis de prendre quelques minutes en ce début de vidéo pour vous expliquer ce à quoi vous alliez vous attendre. Avant de commencer, un petit dernier mot pour ceux qui comptent poster dans l'espace commentaire les avis du jeu après que eux-mêmes l'aient terminé. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore fait. Sachez que The Last of Us 2 est un jeu à prendre avec une ouverture d'esprit encore plus grande que la plupart des jeux à scénario que nous offre le monde vidéoludique. Et pour ceux qui voudraient cracher leur frustration dans l'espace commentaire, je vous demanderai donc de vous raviser, s'il vous plaît. Bref, on se retrouve donc de suite pour une phase de gameplay. Sachez que dans les trois scènes que je vous propose, histoire de vous perdre un petit peu, j'ai décidé de les mettre non pas dans l'ordre chronologique, mais clairement dans le désordre. Donc il se peut que la scène que vous êtes en train de voir se trouve vers la fin du jeu, vers le début, vers le milieu, et celles qui suivent se passaient avant, après, ou même pendant. Non, pendant c'est pas vraiment possible. Mais voilà, c'était histoire un petit peu de vous perdre davantage. Car vous montrer aussi la suite chronologique d'événements d'un jeu, c'est aussi, qu'on le veuille ou non, du spoil. Cette phase mêlera infiltration et gameplay fight à découvert. C'est histoire un petit peu de vous montrer, déjà, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est les graphismes. Le jeu est magnifique. The Last of Us 2 est clairement un putain de cadeau d'adieu à la PlayStation 4. Avant que l'on soit subjugué par les prochains jeux Naughty Dog sur PlayStation 5. Les claqueurs sont présents, les coureurs sont présents, les colosses le sont aussi.
Vous avez même des nouveaux. Les rôdeurs sont ceux qui sont aussi dans la nuit. Et il y a aussi les puants, un nouveau type de monstre qui explose une fois qu'il tombe à terre. Donc il va falloir vous écarter une fois l'avoir tué. Nouveauté dans le jeu, les claqueurs aussi ne sont plus, comme dans The Last of Us 1, à prendre aux trois quarts dans le dos pour que le QTE s'active. Si un claqueur est en face de vous, comme je vous le rappelle, les coureurs, eux, peuvent voir vu qu'ils ne sont pas encore assez mutés, vu que le cordyceps n'a pas encore bien évolué. Mais les claqueurs, eux, étant aveugles, se repèrent uniquement par le son et le claquement de glotte qu'ils font. Un claqueur, vous pouvez aller devant lui et de suite faire le QTE. Contrairement au 1, où est-ce qu'on était obligé d'être dans le dos. Ça offre un petit avantage tactique, on va dire. Ça ajoute une touche de simplicité. Et Dieu sait que le jeu en a besoin parce qu'on ne vous prend pas clairement pour un con niveau difficulté dans The Last of Us 2. Le jeu est assez compliqué. Que vous soyez de très facile à difficile de la mort qui tue, eh bien, la différence ne se résume que dans la complexité de vos adversaires. Ils sont plus résistants, vous one-shot. Mais par exemple, si on prend le problème des balles, eh bien, si vous ne fouillez pas par-ci par-là, même en facile, le jeu ne vous aidera pas pour autant. Vous risquez de vous retrouver souvent à court de munitions, et c'est là que du coup la durée du jeu entre en jeu. Il va falloir fouiller par-ci et là pour pouvoir trouver les fameuses dites munitions pour vous en sortir, car aucune aide extérieure ne vous sera indiquée. Si vous êtes perdu, l'ordinateur qui vous accompagne peut parfois vous suggérer de faire telle ou telle action ou même de vous indiquer directement l'endroit où se déroule le script suivant la trame du jeu. Et ça c'est plutôt sympa, on ne perdra pas trop de temps si on est perdu. Le son est à retenir, une excellente bande son, un excellent surround 3D avec un ordinateur qui... quand il vous accompagne, est vraiment utile, vous dit où se trouvent les adversaires qui vous foncent dessus, parce que même si vous avez votre sens de l'écoute actif, eh bien il se peut parfois que vous en oubliez un dans le feu de l'action, et l'ordinateur sera là pour vous le rappeler en vous criant à droite, à gauche, fais attention. Vous serez constamment sur vos gardes, et ça c'est plutôt sympa de voir le coup arriver avant de se le prendre en plein à la gueule. Le but, sans trop vous spoiler bien entendu, c'est de trouver de l'essence. On est bloqué, on doit ouvrir une porte. Nous sommes dans la ville de Seattle, là où l'essentiel de la trame du jeu se déroule. Ellie doit trouver de l'essence en compagnie de son ami pour pouvoir ouvrir une porte mécanique reliée à un générateur. Les fameux manuels. Ces manuels d'entraînement sont à trouver un petit peu partout dans le jeu et qui vous ouvrent diverses branches de compétences dans votre sac à dos. Vous pourrez ainsi augmenter votre vie, votre capacité à sortir une arme, bref, voilà, être plus efficace. Mais une fois de plus, je n'ai pas envie de vous en dire davantage. Et même dans les manuels, vous avez des petits Easter qui est écrit par exemple par Todd Garrett, qui, voilà, pour la plupart dans les noms affichés, sont ou des développeurs, ou des types connus actuellement aux États-Unis ou dans l'entourage de Naughty Dog. Ça peut être utile. Au moins, ça fait une arme au corps à corps. Les petits mots, bon, bien sûr, vous pouvez les lire pour en savoir un petit peu plus sur le lore et tout ce qui se passe dans le jeu. Mais je vais pas non plus trop vous spoiler, vous restez que quelques secondes, vous l'enlevez et ils en parlent. Bon, ça c'est plutôt sympa. 86-07-22. Il y a des coffres forts un petit peu partout. Si un code vous est donné, eh bien, notez-le, forcément. Ça vous ouvrira une petite cache à trésor. Toujours ce principe de boulon ou de pilule pour augmenter votre personnage. Et le fameux coffre qui n'est pas loin cette fois-ci. 86. 07. Ça va un peu trop vite quand on tourne. Et 22. À moi les thunes. Parfait. De toute façon, dans le simple principe du jeu point A, point B pour remplir un objectif,
tout au long de votre quête, vous devrez forcément, si vous êtes un peu perdu, rien justement n'est perdu au niveau de votre temps. Parce que vous pouvez éventuellement tomber sur des coffres, trouver des accessoires, des ustensiles, des consommables, pour que vous alliez mieux dans la suite de la négociation du jeu. Et ça, c'est plutôt sympa. Le jeu vous récompense même si vous êtes perdu, parce que voilà, vous pouvez aller un petit peu partout. Nouveau système aussi pour les cordes avec le gameplay, vous pouvez autant vous accrocher, monter, descendre, ou même vous stopper à un certain endroit et vous balancer pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et ça, c'est assez cool. Les différentes adaptations du jeu sont présentes et on voit clairement la différence et les nouveautés qu'il y a entre le premier volet et le second. Un peu de gunfight. Oh, Dieu merci. La touche R1 est une touche magnifique. C'est un raccourci maintenant et le jeu vous permet de changer d'arme et vous propose une arme où est-ce qu'il y aura forcément des balles dedans. Bien entendu, la touche R1 est inactive si vous êtes à court de munitions pour l'ensemble de vos armes. Mais oh là là, ça permet de ne pas perdre un temps monstre et Dieu sait que dans le 1, quand l'ennemi était supérieur en nombre, qu'est-ce qu'on galérait à partir sur une autre arme, changer, reloader, quelle horreur quoi. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez aussi récupérer des accessoires pour vos armes. Un holster pour le pistolet qui vous permettra de passer d'un pistolet à l'autre directement et de ne pas changer à travers le menu. Et ça vous file, mon Dieu, un avantage tellement conséquent au niveau du temps. Ainsi qu'une sangle pour vos armes d'épaule. Et franchement, c'est le bienvenu. Dès que vous le débloquez, oh cette satisfaction de pouvoir passer d'une arme à l'autre sans forcément passer par votre sac à dos. Oh, c'est incroyable. Nous avons enfin trouvé de l'essence, nous allons pouvoir du coup ouvrir la gate. Direction le portail s'accélérera. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici ? On retrouve toutes ces mécaniques qui étaient présentes entre Ellie et Joël dans le 1. L'un qui tient la porte, l'autre qui passe, les deux qui tiennent la porte pour l'abaisser sans faire trop de bruit. Bien joué, Dina. Merci. Beaucoup d'événements, beaucoup de lieux, parce qu'il faut aussi se le dire, hein, les codeurs et les designers du jeu réutiliseront diverses surfaces que vous avez connues dans des immeubles, dans des cours du jeu du premier, The Last of Us 1. Et c'est plutôt, cool de voir quelques lieux similaires, même si bon, au niveau du design et du décor, ça a complètement changé. Je vous parlais du fameux point A, point B, quand on doit aller chercher quelque chose pour pouvoir continuer à avancer dans l'histoire principale du jeu. Eh bien, dans ce cas-là, aller chercher de l'essence et revenir à l'endroit, ce qu'on appelle plus communément un plan ABBA, on va à l'endroit et on revient à l'endroit indiqué, le jeu vous proposera diverses zones avec un pseudo open world, comme vous pouvez le constater, et vous n'avez pas forcément à aller sur l'objectif pour compléter l'histoire. Vous pouvez aller aux endroits où vous voulez, comme je vous le répète, pour trouver différentes objets ou même en savoir un petit peu plus sur le lore en récupérant des notes qu'ont laissé des survivants. C'est vraiment sympa. Ou même parfois vous allez aller dans un lieu où est-ce que vous ne deviez pas aller et c'est bondé d'ennemis et ce combat n'était pas forcément obligatoire pour avancer dans le jeu. Vous fera perdre certes des munitions mais peut-être que la récompense sera plus grande une fois que vous aurez complètement lavé l'endroit où se situent les coureurs et les claqueurs. Mais bon, ce ne sont que des indications que je peux vous donner. Vous avez dû forcément vous dire que, bon, s'il y a un endroit à clean, forcément il y a une récompense derrière. Ce serait complètement con qu'un jeu vous propose uniquement de vider vos munitions, aussi rares soient-elles. Ce serait illogique. La gate S2 okay. Est alimentée. Tu peux taper le code. Mets-y un petit coup. En attendant, le code. Voilà. 53, 45. Voilà, oui, vous allez devoir revenir dans votre sac pour pouvoir
connaître les codes, etc. Ça rappelle un petit peu les Uncharted, où est-ce que vous êtes obligé ensuite de regarder, faire une pause durant le jeu pour regarder dans vos items, dans votre sac à dos. C'est assez sympa. Bon, allez, ouvre-toi la porte. Et comme je sais ce qui se passe après, on va enchaîner avec une autre phase, en espérant que déjà ceci vous plaise et vous tienne en haleine. On se retrouve pour une autre phase. Si mon montage s'est convenablement déroulé, vous avez dû entrevoir les temps de chargement avec les lucioles. Vous avez vu comme il était beaucoup plus beau. Bon, c'était que quelques secondes, je suppose, quelques millisecondes. Mais c'était histoire de vous montrer la petite ref au temps de chargement du premier. Joël et Ellie ne seront pas les deux seuls protagonistes que vous allez incarner dans le jeu. Je vous présente donc Abby, un troisième personnage intégré au jeu, que pour ceux qui ont vu les trailers du jeu, celle qui finit pendue dans un trailer et qui a failli se faire éventrer avant d'être sauvée par son groupe d'amis, eh bien c'est elle. Voilà, c'est elle que l'on incarne. Ils sont déjà là, on va se dépêcher. J'ai donc choisi cette séquence de gameplay, pour vous montrer aussi la tension qui règne dans le jeu. Et vous voyez, je fais face à une horde et il va falloir que je trouve un échappatoire à tout ceci. Allez, je vais me taire et vous laisser profiter. Vous l'adoriez dans le 1, il est de retour, Joël est là, accompagné du frère Tommy. Il s'agit de la première rencontre entre Abby, Tommy et Joël. Cette séquence pour moi, avec autant d'animation et d'une dynamique sans pareil, était pour moi inévitable. Il fallait au moins que je vous montre cette ambiance. Bien entendu, vous avez noté la présence des mêmes doubleurs VF, vu qu'il s'agit aussi des mêmes doubleurs en VO, avec l'excellent Troy Baker en tant que motion character. Il a fait la voix ainsi que le personnage de Joël en lui-même, vu qu'il est connu pour être un cascadeur dans le jeu vidéo. Vous savez, ceux qui enfilent l'espèce de grenouillère remplie de capteurs et qui sont enregistrés par des caméras sensorielles. Et ce type-là. Dégage. Et voilà, c'est son boulot à lui, quoi. Hop là! La touche L1 maintenant vous permet d'esquiver les coups quand vous les voyez venir. Il a encore appuyé au bon moment. La porte ne retiendra pas longtemps. Faut qu'on se dépêche. Là-haut, la fenêtre. On sort par là. Il y a un moyen de monter. Voilà, on va sortir par en haut. Pour l'instant, il va falloir mettre la cabine sur le chariot. Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre. Compte sur vous pour me couvrir.
Quand ton ordinateur vous aide et qu'il prend l'adversaire, vous pouvez bien entendu le terminer avec le QTE qui vous est demandé par le jeu. Et ça, c'est plutôt sympa. On tue rapidement l'adversaire, surtout s'ils sont en surnombre. Petit avantage assez conséquent. Toujours aussi brutal, on apprécie. Bon, il serait quand même temps d'y aller parce que là, ni balle, ni arme au corps à corps. Parfait. Allez, on se casse. Ouais, vous avez plutôt intérêt à courir parce que là, avec ce qui va arriver. Stressant, n'est-ce pas, comme scène? Si franchement ça vous fait le même effet qu'à moi, Last of Us 2 est effectivement fait pour vous et vous transportera autant que le premier. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte. Camille, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusqu'à là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Okay. Bon, je vais donc ainsi couper le gameplay, puis vont partir. Et la prochaine scène, je vous la laisse sans parler. C'est ainsi pour moi, du coup, que j'arrête de vous commenter ce gameplay en espérant ne vous avoir pas spoilé et vous avoir montré de belles facettes du jeu. J'espère qu'il vous tentera, parce que croyez-moi, il est quand même à faire. Sur ce, portez-vous bien tout le monde. À la prochaine pour le test de Ghost of Tsushima en juillet. Et à ciao tout le monde. Je pensais pas te revoir un jour. J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, wow, wow, wow. Attends, fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler, qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même. Maintenant, deux secondes, tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas... entendu des coups de feu. Regarde, c'est une des leurs. Bien, on verra ça plus tard. Il y avait une station télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez!